dis, Achille? Que puis-je faire pour vous? Quel livre est-ce que je peux lire aujourd'hui? Je vous propose d'aller voir la dernière vidéo de la chaîne YouTube Livre de lecture. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous présenter un roman de Laurent Godet, Eldorado, qui est paru en 2006. Donc, Eldorado en lui-même, c'est un roman humaniste qui traite le sujet des migrations, donc notamment en Italie et en Afrique. Donc, on voit en parallèle deux histoires, une histoire d'un garde-côte et deux frères. Donc, un garde-côte qui va remettre en question toute sa vie par rapport à quelques rencontres chamboulantes, et deux frères qui vont essayer de fuir leur pays en Afrique pour aller en Europe. Alors moi j'ai beaucoup aimé le livre parce qu'il parle d'un sujet qui est toujours d'actualité, de la migration, et Laurent Godet nous fait vraiment ouvrir les yeux. Moi j'ai pas aimé le livre parce que je trouve que les deux histoires qui se croisent, elles font perdre le fil de l'histoire et c'est assez compliqué à suivre en fait. Moi au contraire j'ai trouvé que y a deux points de vue, du coup c'est le plus de l'histoire. Et on comprend mieux la migration comme c'est à travers deux avis différents. Moi aussi, j'ai pas aimé le caractère du garde-côte, donc Salvatore, car je le trouve assez pessimiste et assez indécis dans ses choix. Dans Eldorado, on voit vraiment l'espoir des migrants. Ils quittent toute leur vie d'avant pour avoir un avenir meilleur et trouver leur Eldorado. Enfin, ce que j'ai pas trop aimé, ça m'a assez déçue, c'est la chute du livre parce que je m'attendais à une chute plutôt bien pour ce livre et puis en fait, ça m'a plus du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, l'abus de lecture ne nuit pas à la santé.